Salut à tous et bienvenue sur LIDJDJE2M en ce mercredi 23 décembre 2020, plus que 2 jours avant Noël et 1 jour avant le réveillon. Aujourd'hui, on va fêter l'anniversaire de Carla Bruni qui est née en 1967 et première apparition pour Cédric, première apparition en 1986. C'est belge, hein, toujours sur le coup. Petite revue d'actualité. Alors la première se passe à Toulouse, à la place du Capitole. Il y a 2 adolescents qui ont essayé de voler un sapin de Noël. Voilà, c'est vachement discret en plus, hein, place du Capitole. Mais c'est surtout qu'ils ont voulu prendre le ils ont voulu prendre le métro avec. Donc hop, ils l'ont volé tranquillou et puis papa mine de rien, le sapin de 2 mètres sous le bras, en prendre le métro. Bon, forcément, ça se remarque. Hein. Du coup, ils ont été interpellés. Donc, ils n'auront pas de sympa chez eux. Hein. Quel dommage. Sinon, il y a Strasbourg. Il y a une lettre adressée au Père Noël qui a été retrouvée, mais qui date de 85 ans. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'était comme cadeau? Je ne sais pas. Ce n'est pas précisé. Petite blague à part, il y a le FC Nantes qui est en vente sur le Bon Coin. Voilà, bon, au vu des résultats, ça doit pas être bien cher. Sinon, en Deux-Sèvres, au Talus Saint-Gemme, il y a... non, c'est pas Talus Saint-Gemme d'ailleurs, c'est au Talus, tout court. Ah oui, non. Ah, j'ai pas bien compris. En fait, c'est en relisant... 2 secondes. Je la lis et je vous l'ai dit. Bon, ça y est, je me suis bien imprégné. En fait, c'est un agriculteur retraité qui a décidé de donner toutes ses économies à la maison de retraite de sa commune. Ça fait quand même plus de 350 000 euros. Voilà, voilà. Chapeau. Bravo, bravo. Voilà, c'était ça le... Mais c'est que j'avais pas bien compris. Mais en fait, en même temps, un coup, ils ont dit que c'était un ancien résident. Mais bon, en général, quand t'es en maison de retraite, t'y ressors pas, quoi. Enfin, ou t'es dans l'incapacité de donner de l'argent quand il sort, quoi. Bon, voilà. Et sinon, il y a un Thaïlandais qui a sauvé un éléphanto, donc un bébé éléphant, qui a été renversé par une moto. Il lui a fait un massage cardiaque. Bravo. Félicitations. Ça devait pas être facile quand même. Hein. Faut avoir l'idée aussi. Faut avoir l'idée. Sinon, on n'oublie pas de souhaiter une bonne fête au Armand. Et puis, un conseil qui va vous servir toute la vie. C'est en devenant. Oh non, je me suis craqué. Je suis dissipé aujourd'hui là. Bon, je la refais. C'est en bûchant qu'on devient bûcheron. Voilà. Allez, salut à tous et à demain. Ouh, je me repose.